C'est le top pensé du jour numéro 162 sur le chemin du retour après notre deuxième petite séance table ronde entre coachs à Keep Up Studio à Genève. Merci encore une fois à Saverio pour ton accueil, pour nous avoir permis d'utiliser tes locaux pour ce petit rendez-vous. C'était vraiment une super séance. On a abordé les sujets qu'on n'avait pas pu aborder lors de la première édition parce qu'on n'avait pas eu le temps, parce qu'on avait un petit peu débordé sur les conversations, ce qui était très bien hein, d'ailleurs, mais au final, voilà, on n'avait pas eu le temps de tout faire. Donc là, on parlait coaching privé et réseautage ensuite. C'était les deux sujets du jour. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé, on était 17, je crois. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui sont venus participer. C'est vraiment, vraiment un moment super sympa, toujours super enrichissant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé tout le monde en 5 groupes et on était assigné une question, une ou deux questions par groupe auxquelles il fallait répondre et ensuite présenter devant le reste du groupe et échanger ensuite au travers de questions-réponses sur nos expériences, sur nos questions, nos réponses. Je pense que c'était un format qui était très, 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 très bien. On a essayé de se tenir à certains temps de parole, de réponse aux questions. Je sais qu'on s'est bien tenu au premier. Après, on a un petit peu débordé sur les suivantes. Du coup, on est allé un peu plus long que ce qui était prévu, comme d'habitude. Mais ça veut dire que les conversations étaient enrichissante, ça veut dire que les conversations étaient entre guillemets naturelles et que les gens avaient envie de parler, d'échanger. Donc ça c'était vraiment super. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont parlé de choses extrêmement pertinentes. D'ailleurs, je salue la venue notamment de David Rivera qui est à Basics Fitness à Vic. Il y avait Rachid Haït aussi qui a énormément d'expérience dans tout ce qui est du contenu en ligne et d'autres, hein, voilà, il y avait plein de monde, Jonathan, June, Kevin, Loïc, il y avait vraiment plein de monde, Morgane, merci d'être revenu encore une fois, Nathan, merci d'avoir été là à nouveau, et j'en oublie plein, hein, désolé les autres, mais enfin, c'était vraiment génial de voir tout le monde, de passer ce moment ensemble, de parler de ces sujets-là. Personnellement, je pense qu'il y a une chose qui est ressortie pour moi que je me dois d'appliquer parce que bah, c'est clair, j'apprends aussi toujours de tout le monde. Et donc, une chose qui est ressortie, qui est claire pour moi sur l'année 2022 que je vais devoir mettre en place, que je n'ai pas encore fait, pour une combinaison de raisons entre pas la fainéantise, mais j'ai toujours mieux à faire. Et le fait que j'aime pas trop ça non plus, c'est le fait d'avoir une liste d'emails avec laquelle communiquer. On parlait notamment du fait que quand j'ai donné mon compte Instagram, pour ceux qui connaissent l'histoire, ça vous fera rigoler aussi parce que je vais arrêter de dire que je me suis fait hacker mon compte parce que c'est pas vrai. J'ai littéralement donné mon compte en cliquant sur un lien. Comme un débile, donc voilà, je le mérite. Donc après avoir donné mon lien Instagram, c'est vrai que tu te rends compte que bah, t'es pas chez toi sur ces réseaux. Et que ton audience, eh ben, tu y as accès au travers des conditions de la plateforme en question, et que d'un jour à l'autre, soit le compte peut ben, être donné, comme moi je l'ai fait, de manière si bénévole et bienveillante, mais tu peux vraiment te faire hacker ton compte, tu peux te faire fermer ta chaîne pour une raison ou une autre, tu peux voilà simplement plus avoir accès à ton audience que tu as développé, que tu as construit, à qui tu as essayé d'apporter, etc. Et donc, je pense que d'être à la merci, en fait, de ces plateformes, c'est intéressant parce que c'était une de mes réflexions après avoir donné mon compte Instagram. Je vais toujours le dire comme ça maintenant. Et ben, c'était le fait de pas vouloir être dépendant des plateformes. Et c'est vrai que, bah, simplement, you own your list. Comme le disait bien Kevin aujourd'hui, la liste, elle t'appartient, ta liste de contacts, elle t'appartient, c'est comme ton carnet d'adresses, c'est des gens qui te donnent leur email volontairement, donc tu peux leur envoyer des communications, c'est des gens qui peuvent arrêter de te suivre s'ils décident d'arrêter de recevoir tes emails.
Et c'est jamais, la liste d'emails, ça n'a jamais été ma tasse de thé, simplement parce que ce n'est pas un médium, je pense que je. Ce n'est pas un moyen de communication que je maîtrise très bien. Je pense que ce n'est pas ma compétence clé, elle n'est pas dans l'écriture. Elle n'est pas dans la communication, dans le copywriting. Et je déteste vendre aussi. Je le fais quand j'ai besoin de signer un client, je le fais quand j'ai vraiment quelque chose à vendre. Mais sinon, je déteste faire ça, juste vendre pour vendre. Comme tu le sais très bien d'ailleurs si tu me suis ici. Et donc, c'est juste pas quelque chose que j'utilise assez et que j'ai utilisé jusqu'à maintenant du tout même. Et donc, c'est quelque chose que je sais que je dois mettre en place dans les semaines qui viennent. Parce que, bien sûr, c'est ce lien avec ma communauté hein, que j'ai construit, auquel tu participes, de laquelle tu fais partie, qui t'appartient aussi. Ça, c'est peut-être une petite dérive de ma part ici, mais c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant, encourageant pour moi, pour ceux qui suivent un petit peu. Et c'est pas comme si je suis extrêmement éduqué sur la question, donc prends tout ça pour ce que ça vaut. Mais l'idée de tout ce qui se passe dans le monde de la crypto actuellement, dans la crypto-monnaie, des NFTs, et je pense le fait de à terme pouvoir en gros avoir un. C'est presque un symbole, mais c'est quelque chose de entre guillemets tangible si on veut. Mais faire partie d'un réseau, faire partie d'une communauté, et vraiment, une partie de la communauté t'appartient en gros, au travers de ces différents processus digitaux, mais qui sont à mon sens extrêmement cohérents de ce point de vue-là, extrêmement intéressants sur la durée. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose dont je me réjouis beaucoup. Dans les, peut-être pas les mois qui viennent, mais les années qui viennent, de pouvoir en gros construire une communauté à laquelle les gens peuvent appartenir, s'ils le décident bien sûr, et à laquelle ils peuvent contribuer, parce que c'est toujours ça, hein, et je le dis peut-être pas assez souvent, mais je le dis, le Jura il est beau aujourd'hui, très 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 beau avec la neige. Je pense que la communauté que j'ai essayé de développer, ces dernières années, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, mais c'est quelque chose qui m'est cher, c'est clair, très très cher même. Et donc c'est clair que ce n'est pas quelque chose que je veux mettre en péril à cause d'une plateforme ou d'une autre, ou d'un souci d'accès ou un autre. Et donc si je veux, entre guillemets, consolider cette communauté, eh ben, je me dois d'avoir les contacts à tout le monde en fait. Tout comme j'ai perdu tous mes DM sur mon compte Insta précédent, et ben c'est tous des échanges que j'avais qui m'importaient beaucoup et que voilà, j'ai plus simplement parce que je me rappelle pas des dizaines de noms, des gens avec qui j'ai échangé en ligne, je les ai pas en tête, je les ai pas écrits quelque part et je peux pas juste les rechercher sur Insta pour relancer la conversation. Donc plein toutes ces choses-là en fait. Donc je pense que c'est vraiment. C'est pas que je pense, c'est que je sais. C'est une chose que je dois régler en gros dans le tout soudain là. Ce sera mon prochain projet dès que j'aurai fini le module 11 pour Kevin dans la semaine. Je pense qu'après les vacances, ça va être ça. Ça va être restructuration ici, de ce côté-là, établir une liste d'emails, prendre des emails de ceux qui veulent bien me les donner, bien sûr. Et histoire d'avoir ce moyen de communication direct avec ma communauté qui n'est pas dépendant des différentes plateformes citées ou sur lesquelles j'évolue de manière prépondérante. Donc, il faudra voir comment j'organise ça. Il y a aussi mon site qui m'a lâché. Enfin, c'est pas que mon site m'a lâché, c'est qu'il y a un plugin qui a foutu la merde quand WordPress s'est mis à jour. Et donc, je dois aller enlever ce plugin, mais il faut que je le fasse au travers du serveur en lui-même, chose que je n'ai pas pris le temps de faire encore. Enfin bref, j'ai pas de site web à l'heure actuelle. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je règle également, que je restructure peut-être un petit peu avec les différentes prestations que j'offre et avec ce que je mets en place pour l'année 2022. Peut-être un bon petit pont pour parler un petit peu de ça. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo ou pas. Restructurer un petit peu mon emploi du temps, histoire de pas perdre la boule, histoire d'avoir plus de temps pour moi, histoire d'être un petit peu plus organisé dans la façon dont je travaille. J'ai planifié pour 2022 avec ma femme, de concert avec ma femme, parce que
Elle m'aide toujours beaucoup sur mes prises de décision et mon organisation aussi. C'est un de ses points forts, c'est clair, parmi tant d'autres, bien sûr. Mais le fait de restructurer un petit peu mes coachings, dédier 3 jours de ma semaine à tous mes coachings privés, lundi, mardi et jeudi en l'occurrence, de garder les mercredis pour tout ce qui est des testings, avec, je crois que ce sera 2 mercredis dans le mois, plus un samedi dans le mois, chaque mois, qui seront dédiés aux tests que j'offre, et ensuite un vendredi qui sera exclusivement dédié au travail administratif et mise à jour de tout ce qui est des bilans physiologiques, des rapports, et tout ce qui est des podcasts également. Donc, ce sera ma structure à partir de janvier, à laquelle je vais faire en sorte de me tenir au mieux. Mais c'est vraiment important pour moi que je le fasse parce que je sais que ma santé en dépend aussi. Je travaille déjà beaucoup et donc de m'assurer que j'ai au moins 2 jours par semaine de congé, chose que je n'ai pas eu ces dernières semaines parce que j'étais vraiment pied au plancher avec autant mes coachings, autant les autres projets sur lesquels je travaille et tous les tests que j'ai effectués ces 2 derniers mois. Mais je pense que c'est important. J'en parlais hier dans ma petite pensée du jour sur le stress, le travail et le repos et l'organisation de toutes ces composantes importantes. C'est quelque chose sur lequel il faut que je m'attarde un petit peu plus, dégager un petit peu plus de temps pour moi m'entraîner, pour prendre soin de moi, pour mieux me reposer, pour avoir des temps off. Je sais que j'ai besoin de temps off. Autant j'adore être on, j'adore être dans le truc, j'adore ce que je fais, j'adore travailler. Mais je sais aussi que j'en souffre quand je ne prends pas du repos. Je sais que j'en souffre quand je ne décroche pas pendant même juste une demi-journée par semaine. J'ai besoin de décrocher pour mieux revenir, pour mieux réengager. C'est vraiment ça en fait. J'ai besoin de me détacher pour mieux me rattacher et continuer ce cycle en fait dont on a tous besoin. Ce que j'avais dans ma tête, c'était les liens actine-myosine et le couplage-découplage. C'est le nerf de la guerre, c'est comme ça que ça marche. Et sans relâchement, il n'y a pas de contraction future. Il n'y a pas de contraction suivante. Et pour mieux te contracter, il faut plus rapidement et mieux te relâcher. Et donc ça, c'est vraiment une qualité que j'ai pas et qu'il faut vraiment que je développe. Et j'espère au travers de cette structure pouvoir voilà, simplement en bénéficier, vu qu'au final, c'est ça, c'est discipline is freedom, comme dit Joe Kowalik. Donc si tu es mieux organisé, tu as plus de liberté, tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais m'attarder à partir de janvier. Et en parallèle à ça, comme je l'ai dit, consolider ma communauté, consolider les liens avec ma communauté. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, entre guillemets, que je peux utiliser à part ma liste d'emails pour communiquer de manière efficiente en dehors des réseaux sociaux? Je ne sais pas. Je pense que de tête, en tout cas, à l'heure actuelle, le fait d'avoir une liste d'emails, c'est le plus pertinent. C'est de loin pas le truc que j'ai l'intention de flooder avec des promotions et des trucs toutes les 2 minutes. Mais je pense que voilà, quand il y a un email important à envoyer, quand il y a une opportunité importante, quand il y a des événements comme on l'a fait aujourd'hui, des choses comme ça, je pense que c'est important qu'il y ait un moyen de communication qui soit droit au but, clair, net et précis. Parce que voilà, on sait que les stories, ça peut se rater, on sait que les posts Insta, ça peut se rater, on sait que les vidéos YouTube, ça peut se rater. On sait aussi, bien sûr, que la boîte mail, c'est un peu le dernier truc qu'on a envie de saturer. Moi, je déteste ça. Et ça fait peut-être aussi partie de ma réticence à commencer ce processus. C'est certainement un de mes biais internes. J'essaie d'en prendre conscience et de faire la part des choses, mais je pense que ça joue aussi. Mais voilà, simplement pour avoir les contacts à chacun, pouvoir, voilà, je sais pas, une fois par mois me vient à l'esprit en termes de rythme. Et c'est même pas un rythme que je veux essayer de tenir, c'est juste un rythme que j'aimerais ne pas dépasser par respect pour toi et ta boîte et ton inbox et ta boîte d'email. Et donc je pense que voilà, c'est quelque chose que je vais devoir mettre en place. Ça va m'aider aussi, bien sûr, j'en suis certain dans toutes les autres choses que je fais, dans toutes mes démarches. Voilà, quand j'ai une opportunité, quand il y a un jour de test qui s'ouvre, quand il y a une place qui se libère, c'est toujours quelque chose qui peut servir.
Donc voilà, c'est pour moi la leçon première que j'ai tirée de cette petite table ronde entre coachs. J'espère que tous les participants en ont tiré de bonnes choses, de bonnes leçons ou alors de bonnes idées, de choses à appliquer, de choses à faire, de choses à ne pas faire, de choses à faire plus, de choses à faire moins. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours des moments extrêmement enrichissants d'avoir des perspectives externes qui te permettent de refléter, sans même toi nécessairement devoir parler de ta situation et de ce que tu fais, de ce que tu fais pas, mais simplement d'entendre les autres et d'avoir un petit peu de perspective, une perspective qui est différente, une perspective qui vient de quelque part d'autre, de quelqu'un d'autre, qui de toute manière aura un vécu différent et des valeurs peut-être différentes et une philosophie légèrement différente, et de pouvoir recouper ça, recroiser ça avec ce que toi tu as en tête, ce à quoi toi tu penses, ce que tu veux faire, et te dire comment est-ce que ça peut s'imbriquer, comment est-ce que ça peut jouer. Ah là oui, j'ai un manque qui est considérable que je dois combler. Et donc voilà, c'est extrêmement enrichissant. Donc merci encore une fois à tous les participants, c'est vraiment, vraiment génial. J'ai adoré comme d'habitude. La raclette après, ça, un délice, un grand délice. Ce fromage de brebis qui était incroyable, avec les petits cupcakes et le café en dessert, le petit verre de vin blanc, bien sûr. Ça va toujours bien avec la raclette. Et puis voilà, donc merci beaucoup à tous. Du coup, si tu es intéressé à être sur ma liste d'emails, non, je rigole. Je rigole qu'à moitié parce que, comme je l'ai dit là, ça va se faire. Donc c'est quelque chose qui va être inscrit sur ma to-do list tout soudain. Et donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais l'amener, je ne sais pas encore où je vais mettre cette initiative en place. C'est de loin pas quelque chose que je veux faire de manière poussée. Je veux que ce soit, ben voilà, les gens qui veulent être tenus au courant, eh ben, ils peuvent être tenus au courant par ce biais-là. Donc peut-être un petit truc que je mettrai à la fin de mes vidéos. Et puis quoi qu'il arrive, je te remercie si tu es encore là d'avoir regardé cette petite pensée du jour. Et puis, je te souhaite un très bon dimanche et je te dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!